Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, assiste-nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne remets pas à demain ce que le temps te permet de faire à l'instant. C'est le thème de cette semaine. Luc chapitre 13, versets 1 à 5 fera l'objet de notre test de base. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé du sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tout également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis. Oui. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez vous également. Alléluia. Ne remets pas à demain ce que le temps te permet de faire à l'instant. Qu'est-ce que remettre à demain? Ça veut dire simplement ne pas faire tout de suite, mais dire je le ferai demain. Ça, c'est remettre au lendemain. On dit aussi que c'est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ou de dire « je le ferai demain ». Par exemple, tu as envie d'appeler un parent ou un ami qui t'a offensé, tu veux lui demander pardon pour aller à la réconciliation. Mais tu dis « je vais l'appeler plus tard ». Bon, je l'appellerai demain. C'est ça la procrastination. C'est le fait de remettre au lendemain. La procrastination est un esprit qui travaille souvent avec les croyants ou les chrétiens. Et ça amène aussi la paresse, la procrastination. La plupart des chrétiens sont tombés dans la procrastination ou dans la loisiveté par la procrastination. La paresse, ça vient de la procrastination. La pauvreté aussi. L'échec, parce qu'ils remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire à l'instant. Dans le livre de Luc, chapitre 13, Jésus est en train de leur refuser la procrastination. Le verset 1, Luc 13, verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, nous devons avoir l'audace de dire aux chrétiens d'aujourd'hui que la repentance doit être d'actualité. Eux, ils sont venus avec leurs informations, or que Jésus n'a pas besoin d'informations. Jésus, lui, a besoin de la conversion. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 7, les pharisiens qui sont venus au baptême de Jean-Baptiste, Jean aussi leur parlait ainsi. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, oui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, oui, produisez donc le fruit digne de la repentance. Donc la repentance authentique est toujours accompagnée de fruits de la justice. Par ailleurs, l'église actuelle est remplie des gens qui sont à la quête de la voiture, de maison, de voyage et de mariage. Alléluia. Alléluia. Et nous venons avec ces informations à l'église. Or que Jésus lui-même, le souci qu'il a, c'est comment faire pour changer cet homme. Comment faire pour aller à la repentance et maintenant à la conversion. Parce qu'une bonne repentance amène une vraie conversion. Une vraie conversion amène une nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Le verset 1, ils ont dit, Jésus, tu as vu, Pilate, il a mêlé le sang et des Galiléens. Parce que ces Juifs étaient des Galiléens. Ils sont venus à l'église, c'est-à-dire dans le temple, pour faire des sacrifices à leur Dieu. Et Pilate les a pris et les a tués. Ils ont pris ça maintenant, soi-disant, comme prétexte pour parler d'actualité avec Jésus.
Jésus leur dit, le verset 2. Il leur répondit. Jésus leur répondit. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Jésus a répliqué en même temps que ces Galiléens, ce n'est pas parce qu'ils étaient des pécheurs qu'ils sont morts. Continue. Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Mm-hmm. Non. Non. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez vous tous également. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont en train de parler à Jésus, qui sont des Juifs de Jérusalem, maintenant, eux parlaient des Juifs de Galilée. Et c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Ah, nous sommes dans l'église du christianisme céleste. Nous, on ne porte pas chaussures. On a des œuvres spirituelles. Mais nous, vraiment, notre chorale danse bien, ils chantent bien. Tu blagues. Jésus, ce qu'il veut, c'est la repentance. Au lieu de nous examiner nous-mêmes, nous prenons notre temps pour parler des autres. Ah, ils ont des palais en langue, ils ont des statues. Nous, on a gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jésus dit non, repentez-vous. La religion n'est pas la relation. Il y a la religion et il y a la relation. Notre religion est la meilleure. Où c'est écrit dans la Bible que ta religion est la meilleure? Non, ne porte pas chaussures, d'accord, mais les autres portent chaussures, où est le problème? Eux, ils adorent des statues, nous on a... Non, oublie tout ça. Jésus, ce qu'il veut, c'est la repentance. Matthieu chapitre 15, le verset 7. Hypocrite! Hypocrite! Esaïe a bien prophétisé sur vous, oui? Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, oui? Mais son cœur est éloigné de moi. Mm-hmm. C'est en vain qu'il m'honore, oui, en enseignant des préceptes qui des sont préceptes qui des sont commandements, des commandements d'hommes. Parce que nous, on ne mange pas viande de porc. Les autres, ils mangent viande de porc. Mais tout ça là, c'est pour le ventre. Hein. Ça, c'est pour le ventre. Nous, on ne mange, on ne boit pas. C'est bon, mais ça ne va pas là-bas. C'est pour ici. C'est des préceptes d'hommes. On ne porte pas habit rouge, on ne porte pas habit noir, interdiction aux femmes de s'asseoir côte à côte dans le temple, c'est pour ici. Mais là-bas, là, quitte le péché. Tu ne commettras point d'adultère, il a dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, a dit la parole de Dieu. Luc chapitre 6. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Oui. Et n'aperçois-tu pas la poupre qui est dans ton œil? Mm-hmm. Ou comment peut-on dire, mm-hmm, à ton frère? Oui. Frère, laisse-moi ôter la paille, qui est dans ton œil. Et toi qui ne vois pas la poutre, qui est dans ton œil. Alléluia. Alléluia. Donc, ces gens informent Jésus de cette catastrophe nationale. Or, Jésus n'a pas besoin de ces informations. Il a besoin de quoi? De la conversion. Alléluia. Alléluia. Le verset 4. Ou bien, ces 18 personnes qui est tombé la tour de Siloé, ils sont venus avec une information, or que Jésus est plus informé qu'eux. Alléluia. Alléluia. Il est plus informé qu'eux. Ils savent seulement pour Pilate, or que Jésus lui connaît encore la tour de Siloé qui est tombée sur 18 personnes. Donc autrement, Jésus-Christ, lui, il est plus qu'une information. Continue un peu. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, mm-hmm, et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Toutefois, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a corrigé leur interprétation en déclarant que si le peuple chrétien ne revenait pas de ses mauvaises voies, pendant qu'il est temps, c'est-à-dire il périrait également. Pendant qu'il est temps, tu as encore le souffle de vie. Jésus leur disait autrement, si vous remettez à demain ce que le temps vous permet de corriger maintenant, vous trouverez malheur sur le chemin. Il disait, vous périrez quoi? Non, je vous le dis, mm-hmm, mais si vous ne vous repentez, vous périrez vous tous également. Oui. Que Dieu nous épargne. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même,
Nous avons Abraham pour nous père. Nous avons Abraham pour père. Nous sommes des enfants d'Oshofar. Dieu d'Oshofar, Dieu d'Oshofar, Dieu d'Oshofar. Ça ne paye pas si mal là-bas. Tes œuvres. Godro pas, un grand Godro, il met corps. Mais quitte dans tout ça. Il met corps, Dieu a, il met corps. Tu tournes autour de ton mot, tu tournes autour de ton mot sans laisser le péché. Je vais à Runga Godo, mais viens encore maintenant. Dans mes, il y aura toutes ces agitations. On va aller à Runga Godro, là, c'est là-bas, il a entendu Louli Louli, on veut prendre l'eau de Godro pas. Et ceux qui n'ont pas Godro pas dans leur pays et qui ont l'église, comment ils vont faire? Toi, tu as l'occasion, tu connais Imeko. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à Imeko. Tu attaches, tu attaches, tu attaches. Jésus, ce qu'il veut, la repentance, sinon vous périrez également. Vous périrez de même. Le verset, le dernier verset, le verset 5. Vous lisez ça, le verset non, 5. Non, je vous le dis. Oui. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez vous tous également. Voilà. Donc, Jésus-Christ leur montre que lui, il est omniprésent. Jésus-Christ est omniprésent, c'est-à-dire il est présent en tout lieu, à tout de Siloé. Mais il cherchait un miracle. Ceux qui s'en vont là-bas, c'est pour chercher de miracles. Jésus-Christ, après avoir pris sa salive et du sable pour faire la boue, et il a mis sur l'œil de l'aveugle, il l'a envoyé là-bas. Donc, c'est le miracle. Tu es à l'église maintenant, tu cherches seulement des miracles. Attends la tour de Siloé. Un jour, il va tomber sur toi. Mais si tu es là pour la repentance, tu verras aussi la repentance. Il est omniprésent, c'est-à-dire présent en tout lieu. Il est omnipotent, c'est-à-dire il est le tout-puissant. Non seulement ça, il est omniscient, il sait tout. Tu peux mentir à ton chargé, tu peux mentir à ceux de ton église, mais tu ne peux jamais mentir à Dieu. C'est un Dieu, D majuscule. Il n'a pas besoin d'informations ni de raisonnement. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 11, le verset 20-24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles. Oui. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ils venaient à l'église seulement avec leurs besoins. Alléluia. Alléluia. Or que si tu n'es pas prêt d'abandonner un péché, ne demande pas la rémission de ce péché. Autrement, tu donnes une information à Dieu, or qu'il était présent lorsque tu péchais. Il était présent. C'est pas à l'église seulement on vient retrouver Dieu. Il est partout, mais il n'est pas dans tout. Il faisait reproche à cette ville. Il disait, allez-y. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous oui. avaient été faits dans le Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Bon, c'est des villes de Galilée. Galilée avait quatre cités. C'est-à-dire Chorazin, Bethsaïda, Capernaum et Tibériade. Jésus a pris ces villes-là en conséquence. Parce que lorsqu'on l'a chassé de Nazareth, il est venu s'installer à Capernaum. Et Capernaum aujourd'hui, c'est l'église. Ceux qui sont à Capernaum maintenant sont des chrétiens. Eux, ils parlent les miracles de Dieu chaque jour. Eux-mêmes, ils chantent dans leurs chansons. Et ils font des témoignages. Mais Jésus-Christ dit, si ce qui était fait à l'église était fait dans le monde, il y a longtemps que les prostituées croiront en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il disait, continue. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement, Thyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Que Dieu nous épargne. Amen. Matthieu chapitre 26, le verset 42. Si Jésus-Christ remettait au lendemain, nous ne serons pas ici maintenant, dans le jardin de Gethsémané. Il a prié son Père, que ta volonté soit faite. Il pouvait dire, bon, remettons dans un mois après encore, parce que la vie est très douce. Bon, et j'ai encore pillé à côté, il y a aussi Marie de Magdala qui me faisait des yeux, donc je ne suis pas prêt maintenant pour partir, Seigneur. Prolonge un peu encore. Allez-y. Il s'éloigna une seconde fois. Et priant ainsi, oui. Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, oui. que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il n'avait pas dit, bon Dieu, donne-moi encore une semaine. Une semaine après, une semaine encore.
Une semaine après, une semaine encore, Dieu a dit, mais tu te fous de moi. La procrastination, ne remets pas à demain ce que le temps te permet de faire à l'instant. Dans Actes chapitre 8, le verset 26, nous avons Philippe. Si Philippe avait dit à l'ange, lorsque l'ange l'a dit, poursuis, lève-toi. S'il avait dit, moi je suis fatigué, hein, peut-être demain, allez-y. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. À Philippe lui dit, lève-toi. Lève-toi à l'instant T, lève-toi, quitte ici, quitte ici, quitte ici. C'est ce que les anges avaient dit à Lot. Lot, lève-toi, le feu, le feu, le feu. Lot commence par négocier. Il n'y a pas de négociation. Ni le diable, encore moins les démons. Dieu aussi ne négocie pas. Il dit, lève-toi, oui. Lève-toi. Va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Dieu a exigé même le chemin, celui qui est le désert. Quitte ici, ici il y a trop de pain, il y a tout ce qu'il faut pour pêcher, mais lève-toi, va dans le désert. Dieu peut t'envoyer dans le désert. Toi, tu prends seulement là où il y a du monde, là où on garde les voitures. Tu prends seulement là où il y a beaucoup de filles. Tu prends seulement les dimanches, ni les prières du soir. Si tu veux prêcher, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu n'es pas motivé. Lève-toi, va dans le désert. Va comme Jean, va prêcher dans le désert. Continue. Il se leva. Il se leva aussitôt et partit. Et voici, oui? Un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Merci. S'il ne partait pas aussitôt, son nom n'allait pas figurer dans le livre de vie. Imagine, si David avait remis, c'est-à-dire le combat avec Goliath au lendemain, il ne serait pas célèbre. Aussitôt, il n'avait pas fait son programme. Mais lorsqu'il a vu, aussitôt, il a dit, bon, j'irai, j'abattrai ce Philistin. Simon, s'il disait à Jésus-Christ, continue ton chemin, demain je vais te suivre, je ne suis pas prêt pour le moment. Il ne sera jamais prié. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, il dit, suivez-moi. Il a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai pêcheur d'hommes. Oui. Aussitôt. Il laissait les filets. Les filets et les poissons. Ce n'est pas seulement le filet. Les poissons, parce qu'il avait fait la pêche miraculeuse. Jusqu'à prier, embaucher des gens. Mais Jésus l'a dit, suivez-moi. Qu'est-ce que Jésus disait comme ça? Suivez-moi. Mais c'est toi-même qui nous a fait de miracles, non? On va laisser tout. Oui, suivez-moi. Il n'y a plus à gagner devant. La lumière se trouve au bout du tunnel. Il disait, suivez-moi. Et quoi? Aussitôt. Il laissait les filets et le poisson et le suivi. Si Lévi avait rejeté son appel, il ne sera pas Matthieu. Lève-toi, change. Le changement radical. Ne fais pas la procrastination. Conclusion. Celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.